Entrez. Madame. En haut à gauche. En haut à gauche. Je vous suis. À gauche. Gauche. Links. Vous êtes tout rechts, c'est ça. À gauche, là. Allez-y seulement. Et tout de suite à droite, vous avez les maquettes. Waouh! Oh! La vraie réplique. Oh là là! La vraie réplique. Oh là 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 là! Hein? La cheminée, c'est quoi? Il y a que houle. Il y a 8 moteurs électriques là-dedans qui tournent. Il peut marcher en plus? Ah oui, il navigue à la télécommande. Et la coque, elle est faite entièrement en boîte de conserve. En boîte de? Ça, c'est des boîtes de conserve, c'est des boîtes de ricoré. Vous savez, les cafés ricoré. Il y a 475 morceaux de tôle de 8 cm sur 3, regardez. Soudés entièrement à l'étain. C'est farouque. Et c'est farouque. 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 Il était une fois en Lorraine, un bonhomme qui en avait marre d'habiter loin de la mer. Ces images datent de 1995. Nous étions là. C'est le début d'une histoire dont on ne connaît pas la fin. Dans le village de Morsbach, banlieue de Forbach, de grands bruits sortaient alors d'un hangar. Les voisins disaient « C'est François qui bricole ». Monte. Allez, monte. Doucement, doucement. Allez, bouge plus. Attends, non, attends. Tu montes. Hop, hop. Il faut qu'on monte. Allez, allez, faut que tu viennes ici maintenant. Bien, pour tout vous dire, à l'âge de 10 ans, donc en 1960, j'ai vu à une télévision locale chez nous le reportage sur le lancement du France. Et puis je suis tombé amoureux de ce bateau-là. Donc j'en ai réalisé plusieurs fois la maquette du France même. Une fois d'abord en carton et en papier, parce que j'étais trop jeune. Ensuite, par la suite, en allumette. Bon, malheureusement, les deux maquettes n'ont pas survécu. Et j'ai fait une maquette en tôle. Comme vous voyez, je suis en train de réaliser mon rêve. Donc, un paquebot de croisière à l'échelle, un 8e. Et entre autres, le Majesty of the Seas. Parce que depuis l'âge de 10 ans, je ne fais que des maquettes de paquebots. Et pour une fois, j'ai voulu avoir mon paquebot pour naviguer avec. Voilà. Un paquebot pour naviguer avec, à 1000 km de la mer. Encore un dingue. Je me trompais.